Je vais accélérer. Hop là, le petit lapin. Il fallait écraser un petit lapin. Hello? Bonjour mes petits lapins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un métier sur le serveur kana-rp.fr. Donc il y aura plusieurs vidéos où je vais vous expliquer le déroulement pour chaque métier. Donc là aujourd'hui je vais vous expliquer sur les métiers du vigneron. Donc là on attend le joli chargement du serveur kana-rp.fr. Voilà, on est arrivé. Donc pour commencer, on va aller. Je suis viticulteur. Eh ben c'est bon. Je vais quand même vous faire ça dans l'ordre. Je vais juste récupérer une voiture. On va prendre une petite mini là-bas là. Hop. Donc on va aller au Pôle emploi. Alors je vais faire comme si je n'étais pas du tout viticulteur. Donc je ferai des petites coupures de vidéos pour les trajets. Je n'ai pas forcément besoin de suivre tout le trajet complet à chaque fois. Alors hop. Donc là, on arrive au Pôle emploi. Vous faites la touche H pour ouvrir la liste des métiers. Donc, comme vous pouvez le savoir sur le serveur Kana, il y a le métier bûcheron, viticulteur, mineur, livreur et chauffeur de taxi. Donc, il y aura une vidéo pour chaque métier pour vous expliquer le déroulement. Donc là, aujourd'hui, je vais commencer par le viticulteur. Donc, j'y suis déjà. Et une fois que vous êtes viticulteur, on va quitter le Pôle emploi. Donc ça ferme automatiquement à la fenêtre, hein, vous n'avez pas besoin de rappuyer sur la touche H. Donc on va ouvrir la carte. Donc pour tout ce qui est viticulteur, c'est avec les couleurs violet. Donc il faut d'abord aller au garage. Alors il faut déjà prendre sa tenue. Donc vous avez un petit gilet comme quoi vous travaillez. Ensuite il faut prendre un tracteur. Ensuite, avec le tracteur, il faut aller aux vignes. Ensuite, une fois que vous avez pris vos grappes de raisin, vous allez ici, donc à l'atelier du vin. Et ensuite, excusez-moi, j'ai des petits messages. Et ensuite, une fois que vous avez été à l'atelier du vin, vous allez à la vente du vin. Donc je m'excuse, j'ai les messages. Alors, ça va aller. Donc là, on va commencer par les se mettre en service. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, je vais accélérer pour vous le trajet. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on arrive au niveau du garage. Donc on va d'abord les se mettre en tenue. Vous voyez qu'il y a le petit marqueur jaune là-bas. Hop. Alors, on se met dessus, lettre E, et voilà, nous sommes en tenue. Donc là, ça vous dit en bas, début du service, vous êtes le héros des ivrognes. Ça fait plaisir. Voilà, ensuite, il y a un petit bug. Alors moi, par rapport à mon habit,
J'ai le corps transparent. Ça, c'est un petit bug. Alors, ça le fait peut-être pas pour tout le monde. Ça dépend ce que vous avez comme t-shirt ou comme pull ou tout ce que vous voulez. Ensuite, une fois que vous êtes en service, vous avez le marqueur ici qui s'affiche. Tant que vous n'êtes pas en service, ce marqueur-là n'est pas affiché. Donc, on va se placer dessus. Et là, appuyez sur eux pour obtenir un véhicule. Et là, bim! On a un joli tracteur. Donc maintenant, on va aller jusqu'aux vignes. Alors l'entrée, faut faire attention que l'entrée, tac, tac, tac. Si je ne me trompe pas, ouais. On va faire ça. En fait, vous rentrez par le domaine et ensuite il faut passer un petit muret pour aller se placer entre les vignes. Donc là, c'est pareil, je vais pas vous subir le trajet, je vais accélérer. Hop là, le petit lapin, il faut écraser un petit lapin. On va tout de suite. Que vous arrivez au niveau du drapeau, alors voilà, il y a plusieurs façons d'y aller. Hein. Soit vous passez par l'entrée du domaine, mais je vais ressortir par le domaine pour vous le montrer. Ah, donc il y a plusieurs routes, et ensuite vous vous placez ici. Là en bas, ça vous marque récolte en cours de raisin. Ah, ouvrez votre inventaire, et là en fonction de la place qui vous reste dans votre inventaire, bah voilà. Un coup de cas. Hop, j'ai plus qu'à attendre. Donc comme je vous ai expliqué, le temps que ça récolte, donc Pôle emploi. Une fois que vous avez choisi votre métier, vous allez au camion là pour vous mettre en service. Une fois que vous êtes en service, vous pouvez prendre votre tracteur. Et ensuite, avec le tracteur, vous allez aux vignes. Et ensuite, vous allez à l'atelier du vin. Et ensuite, une fois que vous avez pressé votre vin, ça vous donne des cubis de vin. Et avec votre cubis de vin, vous allez le vendre ici. Alors, pour ma part, je fais du 100% RP, on va dire, avec le tracteur de là jusqu'aux vignes, aux vignes jusqu'à l'atelier. Et ensuite, là, je serais plutôt tenté à prendre un petit van, en fait, pour transporter le cubi. Je vais voir ce que je vais trouver sur place comme véhicule, mais il y a tout ça à faire. Voilà, je serais plus partant pour faire ça, en fait. Hop, on va regarder où est-ce qu'on en est. Inventaire plein. Voilà, allez. Tracteur est là, mais je vais le récupérer après, si j'ai pour vous montrer le domaine. Voilà le domaine. Jolie ville. Pardon.
Si vous suivez bien la route principale, vous arrivez ici. Et voilà. On aurait pu être plus ou moins dans les vignes. Hop, allez. Là maintenant, on va aller à la cave, à l'atelier. Vous en êtes peut-être rendu compte, mais j'ai un petit peu cassé cassé la clôture tout à l'heure. Je t'y arrive. Allez, c'est reparti. Alors bien sûr, il faut faire attention au plein. Vous n'avez pas forcément le plein quand vous prenez le tracteur. Donc faites bien attention à ça. Je me suis déjà fait avoir. Allez, on est reparti. Donc, on arrive à l'atelier. Oh. Bon, j'espère que la petite balade en tracteur vous aura plu. C'est un petit peu long. Et encore, le tracteur il roule à 50. Donc, en IRL, ça roule à 30-35. Hop, n'oubliez pas de descendre. Que si vous ne descendez pas du tracteur, ça ne marchera pas. Donc, traitement en cours de raisin. Et ça vous donne 20 en cubi. Donc là on va attendre. Donc maintenant, pendant que ça traite, il faudra aller ici pour vendre votre vin. Alors, quand on voit la durée du trajet là, pour ça, ça peut-être plus tentant d'essayer de trouver un van ou un petit pick-up, tout ça pour en fait transporter le cubi. Oui, enfin, ça me paraît un petit peu plus logique en fait. Ça c'est mon avis perso. Regardez s'il n'y a pas un véhicule qui est là. On va voir comment on en est là. Alors il y en a qui vont dire ouais c'est quoi les feuilles de champ. Alors, bon c'est voilà, vous avez compris. Et ça comme j'ai déjà dit, je n'expliquerai pas, je ne dirai pas où ça se trouve. D'ailleurs pour ma part je ne sais toujours pas, je ne sais pas pour la suite. Un genre de 4x4 comme ça là. Le blanc là. Donc je répète pour le nom du serveur, ce qui est dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. Ah, il y a ce qu'il faut là-bas. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc ici avec les véhicules. Qu'on dépose le tracteur, récupérer, hop là, récupérer un petit pick-up ou un van pour transporter le tubi. Là c'est très bien. Hop. Allez, on continue. Quand il aura démarré. Allez, à tout de suite mes petits lapins.
On prend en fait, ouais, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ouais, c'est revenir avec le tracteur jusqu'ici, au pire. Et récupérer, je sais pas si notre voiture il est encore. Ouais, c'est ça, la voiture a disparu. Ouais, bah, chacun son imagination. Voilà, donc là on arrive à notre point de vente. Hop, vous mettez devant le garage, vous descendez du véhicule et là, paf, vente en cours de 20 cubis. Et chaque 20 vous rapporte, enfin chaque cubi vous rapporte 40$. Donc après voilà, 40$ par nombre de cubis que vous avez dans votre inventaire. Ça peut vous faire une bonne petite cagnotte. Et ce qui est bien, c'est que bon là, je suis pas si ouvert qu'on est en plein jour, mais vous avez la discothèque ici. Donc si vous travaillez de nuit, bah, vous pouvez faire une petite pause de temps en temps. Inventaire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé un peu. Donc il y aura d'autres vidéos sur les autres métiers. Donc là on vient de faire métier vigneron. Ensuite il y a le bûcheron, il y a mineur, il y a taxi et puis c'est tout. Voilà, et puis après il y aura d'autres vidéos pour ce serveur là. Donc je répète, serveur cana-rp.fr. N'hésitez pas à aller sur leur forum, à vous inscrire. Si la Waspit est ouverte, n'hésitez pas à faire votre candidature. Et en général, ils vous répondent toujours dans la journée. Vous avez même la réponse dans la journée, voire le soir même si vous faites le soir et vous êtes déjà invité sur Discord. Ça peut être fait très rapidement. Voilà. Donc là, je crois avoir tout vendu. Alors, ce qui est bizarre, c'est que. Après, je signale inventaire. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Et ben voilà. On aura bien travaillé. Donc, je vais aller faire un petit tour à la discothèque, mais je crois que c'est fermé en journée. J'entends pas de musique. Donc, à mon avis, ça doit être fermé. Ah non, c'est ouvert, mais je crois qu'il y a personne, peut-être. Voilà, il n'y a pas un chien. Il y a juste le barman. Bonjour, je voudrais une menthe à l'eau, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires positifs ou négatifs, comme d'habitude. À partager la vidéo, à mettre les petits pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, 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 ciao. Et une fois que vous avez fini votre travail, n'hésitez pas, si vous voulez, pour enlever votre gilet de travail, en fait votre tenue de travail, c'est avec le gilet jaune là, n'hésitez pas à remonter ici, là où vous êtes mis en service pour vous mettre en fin de service. Voilà. Faut pas hésiter à le faire si vous voulez enlever votre gilet. Et ça me paraît même plus logique.